Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'international pour cette troisième heure de direct depuis les studios de TV5Monde. Nous sommes désormais à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Surnommée la Paris du Caucase, Bakou est une ville d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Située sur les bords de la mer Caspienne, Bakou est aujourd'hui le plus grand centre économique et culturel de la région du Caucase. Pour évoquer la ville azérie, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur l'ambassadeur de France en Azerbaïdjan, Pascal Meunier, en poste depuis mars 2012, ainsi que Monsieur Daniel Pata, ancien conseiller économique en Asie centrale et au Caucase, et notamment chef du service économique à Bakou. Pas d'erreur dans ces présentations, bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour commencer, Monsieur l'ambassadeur, parlez-nous un petit peu de la présence française à Bakou et en Azerbaïdjan de manière un peu plus large. Oui. Alors la présence française à Bakou, 188 personnes, est à l'image un peu de nos relations. Ce qui frappe, c'est le faible nombre de Français et puis la croissance. Alors le faible nombre, 188 personnes, c'est très faible, surtout si on le compare aux 5000 ou 6000 Britanniques. C'est dû au fait que l'Azerbaïdjan est resté longtemps un pays méconnu et un peu négligé par les entreprises françaises. Cela dit, depuis 2 ans, il y a eu un gros effort accompli à la fois du côté français et du côté azerbaïdjanais pour mieux faire connaître ce pays. Si bien que la croissance est importante. Il y avait 130 Français quand je suis arrivé à Bakou en 2012. Il y en a aujourd'hui près de 200. Parce qu'en dehors des immatriculés, il y a des gens qui ne s'immatriculent pas. Et on attend une cinquantaine de nouveaux Français l'année prochaine. Et au niveau des exportations, c'est la même chose. Il y avait 130 millions d'euros d'export. On est passé à 260 millions d'euros l'année dernière. Et je pense qu'on a signé pour près de 600 millions d'euros en 2014. Et on devrait également signer de nombreux contrats en 2015. Donc il y a une découverte de l'Azerbaïdjan, qui est un pays avec d'énormes ressources pétrolières et gazières, et surtout qui investit dans l'avenir. Le gouvernement est bien conscient du fait que les richesses en hydrocarbures ont nécessairement une vie limitée, donc il prépare l'avenir dans le domaine des télécommunications, des infrastructures, du tourisme, et ça crée beaucoup d'opportunités pour les entreprises françaises. Monsieur Pata, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des avantages et des inconvénients de la vie à Bakou, pardon ? Je dirais, en suivi de ce que vient de dire notre ambassadeur, je crois qu'au cours des 10 dernières années, Bakou a subi une transfiguration. Elle est complètement transformée à la faveur d'investissements très très lourds réalisés par le gouvernement, lui-même d'ailleurs facilité par la manne pétrolière, il faut bien le reconnaître. Dès lors, la vie à Bakou est devenue une vie extrêmement facile pour ceux qui, bien évidemment, en ont les moyens. Cela dit, le gouvernement ne néglige pas non plus la population et le niveau de vie augmente régulièrement à la faveur d'une politique extrêmement poussée par ce dernier. La vie à Bakou, elle se réalise comme dans n'importe quelle des grandes capitales mondiales aujourd'hui. C'est un peu la Dubaï, si vous voulez, de la Caspienne, comme on le dit. Même si, effectivement, les habitants de Bakou, les Bakinois, comme on peut les appeler, vont régulièrement encore à Dubaï pour se détendre. On y vit très très bien. Pour les expatriés. Pour les expatriés, la vie est assez simple. Vous avez des vols quotidiens qui vous amènent à Paris. C'est pas excessivement cher. 5h30 Paris-Bakou. Oui, tout à fait. Avec Azal. Vous avez, la vie à Bakou est conforme à ce que l'on attend d'une capitale pétrolière. Elle est coûteuse, elle est chère. Le logement, si on veut des logements de qualité, forcément, est cher. Donc ça donne un peu quelques difficultés. Il n'y a pas d'insécurité, mais je crois que vous en parlerez un peu plus tard. On ne peut pas franchement parler de vraies difficultés. Il y a même, je crois, un effort qui a été fait par le gouvernement pour améliorer les systèmes de santé, même si, dans certains cas, il sera probablement jugé préférable de se rendre en France ou ailleurs pour des interventions peut-être un peu plus lourdes. Pour en revenir très très rapidement à la dynamique en cours, elle n'est pas très forte en expatriation parce que, comme vous le savez, de toute façon, tous ces pays sont à la recherche de développement et ils pratiquent un peu le critère de l'utilité économique. Donc il y a moins d'expatriés, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait
moins d'opportunités. Il y a une plus grande diversification également de l'économie azerbaïdjanaise, hein, et nous ne sommes plus simplement dans le secteur pétro-gazier, mais dans beaucoup d'autres. À cet égard, et je conclurai avec cela, je voudrais rappeler que nous continuons de porter un très très fort intérêt au développement des relations entre la France et l'Azerbaïdjan, et à cet égard, en lien avec la Société pour le développement des relations euro-azerbaïdjanaises, qui s'appelle TEAS, un forum sera organisé le 13 mai à la Maison de l'Industrie, auquel sont conviés tous ceux qui s'intéressent. À Paris. À Paris. Place de l'église Saint-Germain, le 13 mai, auxquels sont conviés tous ceux que l'Azerbaïdjan intéresse, à divers titres, y compris culturels, car c'est une ville qui a une véritable densité culturelle. Très bien, merci. Un sujet qui tient à cœur la communauté expatriée. On va tout de suite écouter Madame Pauline Lepoutre, qui évoque justement la scolarité à Bakou. Quand nous sommes arrivés ici à Bakou, le lycée français n'existait pas encore, donc on n'a pas eu trop de questions à se poser. On était obligés de choisir un système anglais, voire anglo-saxon. On a trouvé l'école qui s'appelle TISA avec l'IB System, qu'on connaît toujours pas très bien. Mais on est très contents parce que nos enfants apprennent à parler anglais, ce qui va leur servir pour nos expatriations suivantes. Partout où nous allons, ils vont pouvoir parler anglais. Et surtout, c'est un système basé sur les rapports entre les enfants, sur la confiance en soi, sur la créativité. Ça peut faire un peu peur au début de ne pas être aussi scolaire que ce qu'on est en France, mais je suis très contente. Ça développe vraiment leur personnalité, leur créativité. Ils sont très heureux et ils ont l'air d'apprendre quand même énormément de choses. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la scolarité ? Je dirais qu'il n'y a pas de problème d'offre de scolarisation à Bakou. Il y a beaucoup d'écoles internationales, dont celle dont a parlé Pauline Lepoutre. Il y a depuis maintenant 2 ans un lycée français, bon, qui est dans une période de démarrage. On a réalisé une première année scolaire en 2013 dans des locaux provisoires. Et ensuite, depuis la rentrée 2014, on a à peu près une centaine de jeunes élèves, de la maternelle jusqu'à la terminale, sachant que le secondaire est enseigné à travers le CNED, un enseignement à distance, qui sont dans un lycée tout à fait moderne, presque un exemple de modernité qui a été inauguré par le président Hollande et le président Aliyev au mois de mai. Notre volonté, c'est d'avoir avec l'Azerbaïdjan une coopération culturelle très forte, qui devrait se traduire à terme par la création de l'université franco-azerbaïdjanaise. Parce que, comme je vous l'ai indiqué, les entreprises françaises s'intéressent à ce pays. Dans les hautes technologies, il y a des besoins de formation extrêmement importants pour le tourisme, pour les télécommunications, pour les transports. Et nous avons décidé de renforcer ces liens. Donc, le lycée est la première brique. Ensuite, on crée aussi ce qu'on appelle University Foundation Center, qui est destiné à préparer les lycéens azerbaïdjanais qui ne suivent pas nécessairement les cours au lycée français à faire leurs études en France, tant au niveau de la connaissance de la langue, mais surtout également de la méthodologie, et par des filières déterminées dans le tourisme, dans le domaine des hautes technologies, des sciences de l'ingénieur, on aura des coopérations aussi au niveau universitaire. Donc l'idée, c'est de renforcer du début, la maternelle jusqu'à la fin, le doctorat, les relations entre les deux pays. Donc Madame Lepoutre, si vous l'interrogez dans un an, pourra dire que le lycée français existe et est extrêmement performant. D'accord, merci beaucoup. Bakou, donc une ville studieuse, mais également une ville où la sécurité semble régner. C'est tout de suite ce que va nous dire Pauline Lepoutre dans un nouveau témoignage. J'ai vécu à Rio dans ma précédente expatriation, donc ça n'a rien à voir. La sécurité ici, on se sent en sécurité tout le temps, à 10h du soir dans la rue, en vous promenant avec des gros diamants et un gros manteau en fourrure. Il n'y a pas de souci, c'est un pays qui est presque en permanence sous vidéosurveillance. Donc les gens ne commettent pas trop de larcins, la police est très présente. Donc pas de problème de sécurité contre le vol ou les agressions. En revanche, la sécurité routière est un vrai problème. Un environnement stable et sécurisé, est-ce que ce témoignage est représentatif de ce qu'on peut retrouver à Bakou, M. Pata ? Je partage pleinement l'opinion de Pauline Lepoutre. J'ai vécu 4 ans à Bakou. Et je dois dire que c'est une ville dans laquelle nous n'avons jamais réellement connu de véritables difficultés.
Alors c'est vrai que la modernisation de l'ensemble de la ville s'est aussi réalisée dans le secteur justement de la surveillance, de la télésurveillance. Mais en fait, c'est une ville dans laquelle on peut se promener à peu près à n'importe quelle heure. Je dirais également que dans l'arrière-pays, il en va de même. C'est un pays apaisé. Je pense que ça a beaucoup à voir avec la culture azerbaïdjanaise. Il n'y a pas d'agressivité, au contraire. Même s'il y a une certaine réserve. Monsieur... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Daniel Patin. Alexandre Dumas avait noté, déjà dans son roman, il y a deux siècles, hein, à peu près, l'hospitalité des Azerbaïdjanais. En fait, c'est un pays extrêmement tolérant. C'est un pays musulman, chiite, comme en Iran, mais les communautés sunnites et chiites vivent en paix, de même que les juifs. Il y a deux communautés juives, juifs des montagnes, juifs plutôt européens. D'ailleurs, ils sont venus participer à la marche républicaine au niveau du vice-premier ministre. Donc, on se sent bien à Bakou. En même temps, c'est un pays qui a plusieurs ethnies, qui sait que cette tolérance religieuse peut être éventuellement déstabilisée par des facteurs extérieurs. Donc, le ministère de la Sécurité nationale veille aussi au bon grain. Donc, l'addition de ces deux facteurs fait qu'on se sent en sécurité, effectivement, à Bakou. Donc, vous dites pays musulman, mais c'est avant tout une république laïque. Oui, tout à fait. C'est un peu atypique dans cette région du monde, une république laïque. C'est un peu un modèle d'ailleurs, hein, la tolérance religieuse en Azerbaïdjan. C'est tout à fait atypique. Ça a pu provoquer au moment de l'Eurovision quelques tensions avec le voisin du Sud, parce que l'Azerbaïdjan est un pays plus européen peut-être qu'oriental. C'est un grand débat illustré par le roman Ali et Nino. Est-ce que l'Azerbaïdjan appartient au monde européen, au monde moyen-oriental, asiatique? Mais ma conviction, c'est que c'est un pays tourné vers l'Occident. Il veut bien sûr maintenir ses traditions, sa religion, mais c'est un pays tourné vers l'Occident et qui peu à peu, disons, vont adopter également nos valeurs. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour cette première présentation de la ville de Bakou. On va se quitter très brièvement pour une première pause de publicité avant de revenir sur le plateau pour parler un peu de tout ce qui est interculturalité à Bakou, avec justement ce mélange culturel, ces différentes ethnies qu'on peut retrouver. On peut retrouver à Bakou. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international pour cette troisième heure de direct depuis Bakou. J'accueille tout de suite monsieur Olivier Gouraud et monsieur Laurent Viard. Alors monsieur Gouraud, vous êtes actuellement, vous êtes un ancien résident français à Bakou. Aujourd'hui retraité, vous avez passé la fin de votre carrière à Bakou, les 10 dernières années à peu près, c'est ça? Oui, bonjour. J'ai passé depuis 2000, j'ai travaillé sur l'Azerbaïdjan et sur la région du Caucase pour développer les activités pétrolières de ces pays. Et donc j'ai terminé mon activité par 3 ans d'expatriation à Bakou. Très bien. Et vous, monsieur Laurent Viard, vous êtes consultant chez Itinéraire Interculturel, donc spécialiste de l'interculturalité. Voilà, c'est ça. Donc je forme des familles d'expatriés qui doivent aller, par exemple, en Azerbaïdjan à Bakou. Et j'ai travaillé en Azerbaïdjan dans le cadre d'un projet d'exploration minière internationale. D'accord, très bien, merci beaucoup. Pour parler d'interculturalité, justement, on commence tout de suite avec un nouveau témoignage de Madame Le Poutre qui nous parle justement des différences culturelles qui l'ont marquée quand elle est arrivée à Bakou. Alors, je voulais vous parler de Bakou, de l'Azerbaïdjan. Quand on arrive, c'est un pays difficile à comprendre.
parce que plein de contradictions, et une des clés de lecture qui permet de bien comprendre, c'est de savoir qu'en fait ils sont passés du 19e siècle sous l'ère communiste au 21e siècle avec l'arrivée de BP et de l'industrie du pétrole, sans vraiment de transition par le 20e. Et ça donne des choses très surprenantes, comme par exemple ces grosses voitures rutilantes, toutes neuves, avec le GPS et toutes les options, mais ils n'utilisent, dans lesquelles ils n'utilisent ni de siège auto pour les enfants, ni de ceinture de sécurité. Donc on voit les enfants comme ça, aux vitres, qui font coucou à tout le monde, dans des voitures avec plein d'airbags qui ne servent plus à rien. Monsieur Gouraud, est-ce que justement cette absence de transition, comme évoquait Madame Lepoutre, est-ce que c'est quelque chose qui vous a profondément marqué pendant votre séjour en Azerbaïdjan et à Bakou ? Il y a eu une transition extraordinaire en l'espace d'une dizaine d'années. Quand je suis arrivé là-bas dans les années 2000, on était encore sous le régime du post-soviétique, où les gens apprenaient à découvrir un régime nouveau qui n'était plus le régime soviétique. En particulier, j'avais des témoignages de gens qui disaient « avant, c'était bien parce qu'on avait un travail et de la nourriture. Maintenant, il faut travailler pour se nourrir. » Mais la contrepartie, c'est qu'il y avait une explosion dans le monde culturel et industriel d'activités, et les gens se retrouvaient à avoir du boulot, alors qu'avant, on leur donnait du travail. Mais là, ils s'appropriaient la nouvelle ère industrielle de ce pays-là, qui en 10 ans s'est transformée de manière considérable. Donc j'en prendrai pour témoignage d'abord la transformation de la ville. Quand je suis arrivé, on était dans une ville avec encore des poubelles, des routes défoncées, une heure pour aller à l'aéroport au travers de méandres de routes très difficiles. Maintenant, il y a des autoroutes. La ville est traversée par ces grandes avenues saturées de voitures. D'ailleurs, il y a une explosion de voitures dans la ville. Bref, tout a changé. Monsieur Viard, est-ce que pour comprendre justement ces mécanismes d'interculturalité, c'est important de saisir cette transition qui s'est passée de manière très, très brutale, on va dire? Oui, je pense. Je rebondirai sur ce que votre invité Bakou nous a dit. Elle a parlé de contradiction. Je retiendrai, je suis peut-être plus constructif ou positif, le mot mosaïque ou carrefour. C'est un pays qui a une richesse culturelle invraisemblable. On est sur la route de la soie, donc il y a une superposition de différentes traditions. Dans cette partie du monde, on est très très fiers de ses racines culturelles. Et je pense que c'est une clé de succès pour nos compatriotes qui vont vivre et travailler en Azerbaïdjan, de s'intéresser à ces multiformes, multicouches d'une culture enthousiasmante qui va d'influence perse, d'influence ottomane, etc. Alors justement, le sport est un des facteurs d'interculturalité énorme à Bakou, qui a beaucoup misé là-dessus ces dernières années. L'organisation des premiers Jeux européens qui auront lieu à Bakou au mois de juin prochain, du 12 au 28, sont un bel exemple de ce phénomène d'interculturalité. À ce propos, on écoute justement tout de suite M. Jonathan Haber, qui est membre du comité d'organisation des premiers Jeux européens de Bakou. Bakou 2015 est la première compétition multisport continentale pour l'Europe. À l'image des Jeux du Commonwealth ou des Jeux asiatiques ou africains, Bakou 2015 va rassembler 6000 athlètes autour de 20 disciplines dans 18 sites de compétition, dont le stade national actuellement en construction qui accueillera 65 000 personnes. Justement, avec cette vidéo, on voit qu'il y a d'énormes moyens qui ont été déployés pour mettre en avant la vitrine, pour que ça devienne une vitrine un peu... Le monde entier sera focalisé sur Bakou au mois de juin prochain. Est-ce que c'est important, ça, au niveau interculturel, que de miser sur le sport ? C'est très important. C'est très important, et je pense que pour les Français qui sont amenés à travailler avec l'Azerbaïdjan ou à y vivre, ils doivent se faire écho et assurer une certaine publicité à cet événement, parce que, vous l'avez bien souligné, les Azéris attachent un grand reflet interculturel à cet événement sportif et ne peuvent qu'apprécier que nos compatriotes relaient tout l'intérêt d'une telle manifestation. Donc, Bakou, il y a eu l'Eurovision en 2012, les Jeux européens cette année en 2015, le stade de Bakou qui est en construction justement
pour cette compétition va également accueillir l'Euro de football en 2020. Est-ce que ce dynamisme, c'est quelque chose qui peut faciliter l'intégration, Monsieur Gouraud, à Bakou ? Eh bien, moi, j'ai eu la démonstration que leur esprit entrepreneur et leur esprit pro-européen est un succès. En ce qui concerne l'Eurovision de 2012, par exemple, il a fallu transformer la ville et créer des artères de circulation et des parkings et un Crystal Palace en l'espace d'un temps record. Et leur esprit entrepreneur a fait que les délais ont été maintenus de manière absolument remarquable. Et je ne doute pas que, d'une part, cela attire énormément le monde industriel et leur attitude pro-européenne à ce titre-là est une vraie chance pour tous les entrepreneurs européens. Et c'est là où je découvre cette explosion de la relation commerciale entre la France et Bakou. À savoir, quand l'ambassadeur disait qu'ils sont 188 Français aujourd'hui, à mon époque, ils n'étaient que 30 à 40. Ça veut bien dire que quand même, il y a une évolution extrêmement positive de cette relation entre la France et Bakou. Pour 2015, il y a un chantier. Ce chantier, je ne doute pas qu'il sera résolu et achevé à terme. Et ce sera aussi l'occasion de réhabiliter une grande partie des surfaces de Bakou qui étaient laissées en friche par la période russe. Malgré tout, on voyait à l'époque des espaces de terrain vague qui étaient désastreux. Et maintenant, tout cela est entièrement réhabilité. Justement, le succès de ces Jeux européens, ils passeront par une tolérance, une synergie entre tous les collaborateurs. Monsieur Jonathan Haber, dans une prochaine vidéo, il nous parle justement de... C'est grâce à cette synergie qu'on peut avoir une intégration à Bakou. Après 4 ans d'expatriation en Azerbaïdjan, je suis très bien intégré et l'Azerbaïdjan est un pays très hospitalier. Concernant la communauté francophone, depuis 2011, existe une association qui s'appelle Bakou Francophone et qui a pour motivation d'organiser des événements culturels, de rassembler les Français, francophones et francophiles, autour d'animations régulières et de sorties. Bakou Francophone est devenu un peu un point d'entrée pour les Français francophones qui souhaitent s'expatrier en Azerbaïdjan. De retour sur le plateau pour cette troisième heure de direct depuis Bakou. Alors justement, comment ça se passe quand on est un Français à Bakou au niveau de l'intégration? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça se passe la vie dans la ville? Bon, je vais peut-être à nouveau prendre un peu les choses à rebrousse-poil, mais en termes d'intégration dans un pays, j'ai beaucoup voyagé à l'international, je pense que pour bien s'intégrer, il faut multiplier les contacts avec les Azéris en Azerbaïdjan et éviter le réflexe du petit village franco-français. Vous avez mille et une occasions, le sport, on en a parlé, les enfants, la vie culturelle, qui ouvrent des portes pour rencontrer des Azéris. On a parlé, monsieur l'ambassadeur a parlé du côté extraordinaire de l'hospitalité azérie. C'est un pays de banquets. Et si vous vous intéressez aux gens, si vous parlez avec eux à l'entracte d'un spectacle de ballet ou d'opéra, qui est tout à fait exceptionnel, quand on pense à quel endroit on se trouve dans le monde, vous serez très rapidement invité, vous rencontrerez des gens, et dans un pays qui attache énormément d'importance aux valeurs familiales, et je pense qu'étant invité, montrant votre intérêt pour la culture locale, ça vous ouvrira des pistes très intéressantes, y compris dans des horizons beaucoup plus professionnels. Très bien. Monsieur Gouraud, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés pour vous intégrer? Je pense notamment à la langue qui peut représenter une barrière au niveau de l'intégration. La barrière de la langue, c'est vrai, je ne parle pas russe et je ne parle pas azéri, c'est vrai. Mais ça n'a pas été une barrière en soi. C'est vrai que je ne suis pas allé au cinéma. Mais par contre, j'ai été un grand utilisateur du philharmonium, dans lequel, effectivement, il y a des spectacles de première grandeur, dans un palais d'ailleurs absolument magnifique, avec le festival de Zostropovitch et du jazz et de la musique contemporaine, de la musique classique. Les Azéris sont très amoureux de la musique classique. D'ailleurs, le fondement de la musique russe vient de Bakou. Et alors, donc, de ce côté-là, rentrer en relation avec les gens au travers des spectacles, oui, ça a été le cas. Mais deuxièmement, rentrer en relation avec les gens dans la rue. C'est un pays dans lequel il y a beaucoup de fêtes.
régulières. On parle du printemps de Nowruz, par exemple. On parle de la fête de la fleur, le 1er mai. Il y a énormément de fêtes qui s'échelonnent au travers de l'année et qui sont des occasions de rencontre des gens dans la rue. Et les Aziris adorent flâner dans la rue. La place des Trois Fontaines, on passe en permanence avec des gens en train de circuler. Et ce sont des occasions d'échange, car les Aziris sont très ouverts au dialogue. Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces éclairages sur l'interculturalité. On va se quitter avec une petite page de publicité avant de revenir sur un nouveau plateau. Merci. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International depuis les studios de TV5 Monde, où nous accueillons désormais M. Mehmet Saran. Bonjour monsieur. Bonjour. Et M. Stéphane Zerbib. Bonjour. Donc M. Saran, vous êtes directeur Thales Azerbaïdjan et également conseiller du commerce extérieur pour la France. Exactement. M. Zerbib, vous êtes avocat, inscrit au barreau de Paris et spécialiste du droit azéri. C'est exact. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On a également par Skype Monsieur Serge Bainvel, qui est directeur général chez BG Cleaning System, qui est une entreprise de nettoyage en Azerbaïdjan. Bonjour Monsieur Bainvel, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, très bien. Très bien, bonjour. Pour commencer, est-ce que Monsieur Saran, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la tendance économique en Azerbaïdjan depuis le début des années 2000, notamment ? L'Azerbaïdjan est sorti de l'Union soviétique dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette période ? Alors effectivement, l'Azerbaïdjan est un pays un peu nouveau sur la scène internationale, en termes notamment parce qu'effectivement les projets pétroliers sont arrivés en Azerbaïdjan un peu tardivement. Donc depuis cette période-là, donc, nous avons assisté à un formidable développement économique et avec beaucoup d'opportunités. Monsieur l'ambassadeur a évoqué justement l'arrivée massive des entreprises françaises en Azerbaïdjan. Et Thales, de ce point de vue-là, est un bel exemple, puisque nous avons ouvert donc, l'année dernière un bureau, une présence physique en Azerbaïdjan, au mois de mai, pour être précis. Et juste pour vous donner un exemple sur le potentiel réel du marché azerbaïdjanais, entre la date d'ouverture de notre bureau donc, du mois de mai jusqu'à la fin de l'année, nous avons signé donc 4 contrats, 3 notamment avec le métro de Bakou pour la modernisation les nouvelles lignes du métro de Bakou pour justement proposer notre savoir-faire en termes de signalisation et de télécom et de SCADA, mais aussi dans la formation des ingénieurs du métro de Bakou. Et aussi, nous avons aussi signé un contrat pour le renouvellement du radar civil de l'aéroport de Bakou. Donc, les opportunités existent, elles sont importantes dans le domaine de l'infrastructure notamment, mais aussi il y a aujourd'hui une volonté de l'Azerbaïdjan de développer ce que j'appellerais le non-hydrocarbure, c'est-à-dire les activités en dehors de l'oil and gas, notamment dans le domaine du tourisme, de la santé et de l'agriculture, par exemple. D'accord, merci. Monsieur Zerbib, est-ce que c'est une tendance que vous ressentez depuis la France ? Est-ce qu'on fait appel régulièrement à vous depuis quelques années pour développer des sociétés en Azerbaïdjan et à Bakou, par exemple ? Alors, je dirais qu'effectivement, le mouvement s'est accéléré
plus seulement en matière d'hydrocarbures, mais beaucoup de développement et de demandes en matière d'agriculture, de tourisme. Et il est vrai que l'Azerbaïdjan a mis en place un grand nombre de réformes, bénéficie de notations stables de la part des agences de notation, une inflation extrêmement maîtrisée, et puis un certain nombre de réformes fiscales qui permettent effectivement à bon nombre de Français d'intervenir et d'investir en Iran, en Azerbaïdjan, pardon, puisque notamment l'Azerbaïdjan a signé avec la France une convention de non-double imposition. Et ça facilite un certain nombre de démarches fiscales, beaucoup de réformes, d'exemption de droits de douane en matière d'agriculture sur des produits agricoles, sur des investissements, et le mouvement s'accélère d'année en année. Très bien. Donc Bakou surfe un peu sur son dynamisme économique depuis plusieurs années, grâce notamment à une jeunesse, un pays qui est très très jeune. C'est peut-être une des solutions pour la transition économique. Monsieur Jonathan Haber, qui est membre du comité d'organisation des Jeux européens, il résume bien la situation à travers son témoignage. La société azerbaïdjanaise est une société laïque et en ça très similaire à la société française. C'est un pays qui a une grande richesse culturelle. Les tapis azerbaïdjanais sont classés à l'UNESCO. La musique mougam est unique et vient d'Azerbaïdjan. Et la cuisine, très riche. L'Azerbaïdjan est un pays jeune, puisque c'est une république depuis 22 ans, mais aussi jeune en population. 60% de la population a moins de 30 ans. Ce qui en fait une société très ouverte culturellement et aussi sur les nouvelles technologies. De retour sur le plateau des 24 heures chrono. Monsieur Benvel, est-ce que vous nous entendez toujours ? Je vous entends toujours. Est-ce que justement le contexte à Bakou est idéal pour entreprendre, pour créer une société ? Alors je pense que c'est vraiment un moment qu'il faudrait saisir pour beaucoup de Français, venir créer son entreprise à Bakou, surtout dans le domaine du service. Moi je travaille pour une société nettoyeuse, mais il y a beaucoup de demandes au niveau de la restauration, donner des cours de français, des cours d'anglais, donner tout ce qui est lié au service et pas forcément lié à la construction, parce que tout se fait actuellement sur la construction. Donc il y aura des demandes de services et de professionnalisation. Donc je pense que c'est important d'être entrepreneur et d'oser aller dans des pays un peu plus éloignés que ce qu'on connaît. Merci beaucoup, Monsieur Mavel. Au niveau des technologies, vous parliez notamment du métro à Bakou. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un secteur porteur pour les futures années à Bakou ? Effectivement, le secteur technologique est un des secteurs porteurs, entre guillemets, en Azerbaïdjan. Il y a d'ailleurs une volonté du gouvernement azerbaïdjanais de créer un pôle technologique pour justement développer cette activité-là. Et que, juste pour un témoignage personnel, c'est vrai que j'étais très frappé dans nos négociations avec le métro de Bakou de cette volonté, de cet enthousiasme de la part du client azerbaïdjanais d'essayer justement d'obtenir le meilleur de la technologie européenne. Et ça, c'est vraiment très révélateur. Et ayant beaucoup voyagé, c'est vrai que dans les pays voisins notamment, c'est vrai qu'on a souvent face à une compétitivité qui se base plutôt sur les prix. Et en Azerbaïdjan, c'est plutôt, il y a aussi une volonté et les discussions tournent beaucoup sur la technique, la technologie. Et ça résume bien la volonté justement de nos amis azerbaïdjanais d'avoir justement le meilleur de la technologie en fait. D'accord, merci. Difficile d'évoquer Bakou sans parler des filières énergétiques comme le gaz ou le pétrole, dont on estime à 1 million de barils par jour la production de pétrole en Azerbaïdjan. Un dicton qu'on attribue à Churchill, si le pétrole est roi, Bakou est son trône. Est-ce que vraiment c'est là que toutes les opportunités d'affaires elles résident à Bakou, monsieur Zerbib ? Non. Non pour différentes raisons. Parce que le pays a besoin de s'ouvrir et s'ouvre de plus en plus. La crise du coût du baril de pétrole aujourd'hui en est l'exemple le plus frappant. Tout ce qui est services, propriété intellectuelle, brevets, agriculture est en pleine expansion et en plein développement. Tout est fait pour favoriser l'implantation d'investisseurs étrangers. Il faut savoir qu'en Azerbaïdjan, vous pouvez avoir une prise de participation majoritaire en tant qu'investisseur étranger dans des entreprises nationales. C'est extrêmement important. Tout est fait pour être ouvert en termes de fiscalité. Vous avez une TVA qui est
certes sensiblement la même que celle que nous avons en France, mais en termes de prestations sociales, cotisations sociales, fiscalité sur les revenus, qui est beaucoup plus faible qu'en France, fiscalité sur les sociétés, en termes d'impôts, qui est bien plus faible également, tout est fait pour attirer et favoriser l'investisseur. Étant précisé que tout n'est pas non plus dans l'investissement, il faut bien expliquer aux personnes qui veulent investir, qui veulent s'implanter en Azerbaïdjan, qu'il faut se faire bien entourer, bien préparer son projet en amont, notamment juridiquement, pour éviter de perdre du temps et d'être confronté à des aléas qui seraient fâcheux. Donc un cadre juridique et fiscal qui est parfaitement adapté à l'investissement étranger, mais il faut quand même préparer sa venue, on ne peut pas... Toujours, parce que vous avez une appréhension de la culture locale qui est obligatoire, qui est indispensable. Vous investissez dans un pays, vous vous implantez, c'est un projet à long terme, et vous ne pouvez pas venir dans un pays sans en connaître la culture, sans respecter un certain nombre de règles de fonctionnement, et c'est fondamental de bien préparer son projet en amont. Justement, alors le seul petit bémol que j'ai pu relever, c'est effectivement un cadre juridique et fiscal adéquat, mais un système de soins qui est encore un peu à désirer. On écoute tout de suite Madame Pauline Lepout qui nous parle du système de soins à bas coût, justement. Alors, le système de soins à bas coût, pour les expatriés, c'est très cher. On a accès à des médecins expatriés et des médecins locaux qui sont... de grande qualité, mais qui coûtent très cher. Les médicaments coûtent très cher, ils ne sont pas tous présents. Et surtout, il n'y a pas de système d'urgence de pointe, même de base. Donc, dès qu'on a un gros problème de santé, il faut prendre l'avion et partir se faire opérer à Paris, à Berlin, à Istanbul. Donc, c'est des conditions un peu stressantes quand on est mère de famille, de savoir qu'en cas de problème, c'est l'avion. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International depuis les studios de TV5 Monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce témoignage? Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Sahan, avec ce qui vient d'être dit par Madame Lepoutre? Je suis en partie d'accord. Effectivement, le système santé de santé en Azerbaïdjan a connu beaucoup de développement. On a parlé beaucoup de modernisation et la modernisation a également touché le secteur de la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'interventions chirurgicales, pour être tout à fait transparent, se font à l'étranger, mais ce sont aussi autant d'opportunités pour les entreprises françaises dans ce secteur-là, justement pour localiser en Azerbaïdjan ces types d'interventions, je dirais, un peu sophistiquées. Mais bon, sur un plan personnel, je suis en Azerbaïdjan depuis près de 5 ans. Je suis là-bas avec femme et enfant, j'ai 2 enfants. Et je touche du bois, à ce jour, je me porte plutôt bien. Et Monsieur Zerbib, justement, est-ce que ce n'est pas un motif qui pourrait être susceptible d'effrayer un peu les investissements externes? Oh, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas, parce que l'Azerbaïdjan est un pays que, comme on l'a tous rappelé ici, en pleine expansion, en plein développement, avec une mutation très rapide. Le secteur de la santé suit à son rythme. Les médecins... azerbaïdjanais ont une très bonne formation. Alors après, c'est vrai qu'il y a un réflexe expatrié qui fait que on a une couverture médicale extérieure, on subit des interventions chirurgicales à l'extérieur, mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui un obstacle. En tout cas, des retours que nous avons des investisseurs, ça ne constitue pas un obstacle majeur dans le cas d'un investissement en Azerbaïdjan. D'accord. Et à contrario, est-ce que justement ça pourrait pas être un secteur de niche à exploiter pour les prochaines années, des investissements externes qui viennent investir dans des établissements de santé, par exemple, à Bakou? Oui, c'est un formidable vecteur d'activité économique, comme l'est l'agriculture, comme l'est le secteur du tourisme, comme le sont les secteurs des services. Oui, tout est à faire et en la matière, c'est une possibilité, c'est une niche d'investissement qui est très prometteuse. Avec une collaboration des administrations locales, par exemple? Bien sûr, mais vous ne pouvez rien faire en Azerbaïdjan sans avoir une collaboration avec les autorités locales et sans appréhender la culture locale. C'est fondamental, c'est évident et c'est plus que recommandé. Très bien, merci. En guise de conclusion, Monsieur Sahan, est-ce que vous pouvez nous donner sur les erreurs à ne pas faire
quand on souhaite s'installer à Bakou? Alors, effectivement, c'est, je pense que mes collègues l'ont souligné, quand vous venez en Azerbaïdjan, il est très important d'être bien entouré, idéalement d'avoir un partenaire local, parce que l'Azerbaïdjan est en phase de développement. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de transition, la transition économique, bon, elle n'est pas toujours là, c'est un peu compliqué. Donc, bon, en même temps, c'est un pays qui est quand même investor-friendly, si je puis me permettre, et où les opportunités sont importantes. Donc, effectivement, bon, et l'ambassade, c'est peut-être éviter de travailler, entre guillemets, en solo, d'essayer d'avoir un partenaire solide, local, peut-être même, et c'est quelque chose qu'on affectionne beaucoup en Azerbaïdjan, de construire des partenariats avec les entreprises, les holdings existantes locales en Azerbaïdjan. D'accord, merci. Et un dernier mot, Monsieur Zerbib, si vous aviez un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaiterait s'implanter à Bakou, ce qui a été dit, c'est bien entendu s'entourer, bien monter son projet d'un point de vue juridique, bien appréhender la culture locale, se rapprocher de l'ambassade de France, bien entendu, qui est ouverte, qui est là pour dispenser ses conseils, apporter son aide de manière très efficace, je dois le dire. Mais effectivement, s'entourer juridiquement, collaborer avec des entreprises locales, de façon à éviter de commettre un certain nombre d'impairs et de gagner du temps. Merci beaucoup. Monsieur Bainvel, vous êtes toujours là ? Oui, toujours. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce qui a été dit en guise de conclusion ? Oui, je suis. Il faut bien s'entourer, il faut avoir un partenaire local pour éviter les pièges juridiques, administratifs. Et même pour eux, il faut que les jeunes qui arrivent, qui ont du mal à trouver un emploi, qui viennent à Bakou, qui viennent se lancer, une entreprise, un service, parce que quand vous êtes français, ça attire, il y a une vraie fascination. Les gens, ils veulent rencontrer les Français, notre formation est bonne, notre manière de penser fonctionne très bien. Il faut parler au moins anglais, et puis si on parle un petit peu mieux que le russe ou le turc, ça peut être aussi un plus, et ça peut être prometteur pour créer des entreprises sur place. Merci beaucoup, M. Bainvel. Je vous remercie, messieurs, pour votre participation. Merci. J'espère que vous avez trouvé toutes les informations si vous souhaitez vous installer à Bakou. On se quitte sur une nouvelle page de publicité. Prochaine étape, Bombay en Inde pour la quatrième heure de direct des 24 heures qu'on donne à l'international. Merci beaucoup.